La reprise en marche arrière, tout comme le stop ou le back, sont des manœuvres très intéressantes à travailler, ne serait-ce que par l'aisance générale qui en découle. La reprise arrière s'effectue en transposant point par point les éléments de la reprise classique. Un peu de vitesse, une rétro-circulaire, une rétro-propulsion intérieure verticale, se finissant par un appel glissé sur l'avant. Avec un peu d'entraînement, on peut descendre un rapide de classe 2 entièrement en marche arrière, en effectuant des stops, des backs, des reprises. Notez bien que l'on reste penché en avant la plupart du temps pour éviter de se faire attraper la pointe arrière.